En décembre 2008, Nayoung, 8 ans, se rendait à l'école. Pourtant, dans l'ombre, un prédateur rôdait. Ainsi commence l'une des agressions sexuelles les plus horribles, les plus malsaines. Il lui a ensuite mordu la joue et étranglé sa fine gorge jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Et cette idée est totalement effroyable. Yasser Abdel Saïd est né dans le Sinaï, en Égypte. Il est venu aux États-Unis avec un visa d'étudiant en 1983. Saïd a épousé Patricia, ou Tissy Owens, en février 1987. Il avait 30 ans et elle 15. Tissy a surtout épousé Yasser par nécessité. Il lui avait fait croire qu'il avait de l'argent et elle aspirait à fuir sa vie de misère. Après seulement 6 mois de relation, il a commencé à essayer de la contrôler, à la menacer. Il voulait par exemple qu'elle coupe les liens avec sa famille. Il montrait tous les signes d'un pervers narcissique. Le couple a d'abord eu un garçon, en 1988, qu'ils ont appelé Islam. Leur première fille, Amina, est née en 1989. Et leur deuxième fille, Sarah, est née en 1990. Ces dernières, à cause de leur sexe, sont devenues les victimes d'un jeu d'emprise malsain. Amina et Sarah Saïd étaient des petites filles tout à fait ordinaires. Elles ont eu une enfance vraiment très joyeuse et on le voit dans les clips vidéo où elles jouent toutes les deux. Elles étaient extrêmement proches puisqu'elles étaient aussi très proches en âge. Et donc, c'était des petites filles ordinaires, tout simplement. Très heureuses, très joueuses. Amina, la plus âgée, avait les yeux verts. C'est vraiment ce qui définit le mieux Amina, ses beaux yeux verts sous ses épais sourcils. C'était une jeune fille à la personnalité vraiment lumineuse. C'était la très bonne amie. D'ailleurs, elle avait énormément d'amis. Elle était vraiment appréciée. Elle était gentille et en même temps, elle avait ce caractère-là. Elle n'hésitait pas à tenir tête aux gens. Elle était un petit peu garçon manqué, mais elle avait quand même des petites touches girly. Sa sœur Sarah, en revanche, était vraiment le garçon manqué du groupe. Elle était un petit peu plus réservée, mais elle avait une aura, elle était charismatique, et elle avait toujours un sourire sur le visage. Elle voulait devenir médecin, voilà. Sarah était vraiment très focus sur les études et son objectif c'était de réussir dans la vie. Il était très très rare de voir Amina ou Sarah tristes. Elles avaient toujours un sourire sur le visage et surtout elles étaient toujours ensemble. Vraiment, elles étaient des meilleures amies l'une pour l'autre. Comme je vous l'ai dit, dans leur enfance, les filles ont eu une relation plutôt normale avec leur père. C'était la figure d'autorité, mais le papa était aimant. Il était encore le père à ce moment-là. Mais quand les filles ont commencé à grandir, elles ont commencé à remarquer un changement dans les rapports avec leur père. Yasser a commencé à favoriser son fils. Il a commencé à traiter son fils différemment, à imposer beaucoup plus d'interdictions à ses filles qu'à son fils. Et Islam est devenu en grandissant un peu le bras droit de son père. Et il partageait ses visions misogynes et archaïques. Pour Saïd, les femmes devaient rester à la maison, faire attention à la manière dont elles s'habillaient, ne pas s'habiller trop court, ne pas trop parler. Le plus important finalement était de se taire. Du coup, en grandissant, Amina et Sarah ont commencé à s'éloigner de leur père parce qu'il avait des comportements abusifs, mais aussi parce que elle commençait à s'en méfier. Voilà. Au début, c'était simplement de la mésentente, et puis ensuite, c'est devenu de la méfiance et même de la peur. En fait, les filles savaient exactement de quoi leur père était capable. Saïd devenait de plus en plus possessif, il surveillait leurs allées et venues. Dès qu'elles ont eu un ordinateur portable, un téléphone portable, il a commencé à fouiller dedans. Les filles n'avaient pas du tout le droit de vivre, de respirer. Tous leurs faits et gestes étaient contrôlés parce qu'elles savaient que leur père n'était jamais très loin. Amina, peut-être parce qu'elle est l'aînée, devient la cible principale de Saïd. Il éprouve une relation amour-haine malsaine pour sa fille qui a un bon caractère et n'hésite pas à répliquer. La jeune fille est plusieurs fois aperçue avec des ecchymoses, une lèvre fendue et autres blessures en tout genre. D'après la jeune fille, elle ne peut pas les faire soigner à l'hôpital car sa mère ne veut pas qu'elle s'y rende, sûrement pour ne pas éveiller les soupçons. Lors d'une déposition à la police, Amina a avoué que son père l'avait pénétrée au moins une fois. Les filles malgré tout étaient actives, elles allaient en cours et Amina faisait du taekwondo. Et un jour dans ce cours, elle a rencontré un garçon.
Joseph Moreno, qui avait à peu près son âge. Et à la fin de ce cours où elle a rencontré Joseph, elle lui a demandé son numéro de téléphone pour un renseignement, voilà. Mais on suppose qu'à ce moment-là, elle était déjà attirée par lui. Les deux ont commencé à se parler et la relation a très vite évolué. Ils se parlaient tous les jours. Pour Joseph, ça avait été un coup de foudre. Il faisait des petits exercices et il a relevé la tête et c'est là qu'il a vu Amina rentrer. C'était un peu comme dans un film finalement. Amina voulait garder la relation secrète, mais Joseph en a parlé très vite à sa mère, Ruth, parce qu'il lui disait vraiment tout. Et Ruth a commencé à beaucoup apprécier Amina, qui venait souvent chez eux, et elle a commencé à la voir comme vraiment une belle fille, une future belle fille, malgré le fait que c'était une relation adolescente, ils étaient très sûrs de leurs sentiments. Joseph, ou Jojo comme elle aimait l'appeler, était vraiment sa bouffée d'air frais, ça lui faisait du bien d'avoir un support. Quelqu'un sur qui s'appuyer comme ça. Mais malgré tout, Amina n'était pas insouciante, puisqu'elle était toujours anxieuse à l'idée que son père puisse découvrir cette relation. Même quand il était en Égypte, elle imaginait qu'il l'observait, qu'il savait ce qu'elle faisait, qu'il savait où elle allait, et ça c'est vraiment un signe d'emprise. Et elle interdisait même à Joseph de la contacter, ils avaient un code secret, et quand Amina envoyait ce code, là il pouvait l'appeler, il pouvait parler par SMS. À peu près à la même période, Yasser a informé Amina du fait que il voulait la marier avec un homme en Égypte qui avait au moins 3 fois son âge. Là, on peut vraiment voir une rupture, un clash entre deux cultures finalement. Pour Amina, bah, elle était américaine, elle avait toujours vécu sur le sol américain et il n'y avait aucune raison qu'elle suive cette culture patriarcale qui était celle de son père. Et elle l'écrivait même dans des lettres ou dans des blog posts, elle expliquait que non, c'est absolument pas ce qu'elle voulait et elle ne savait vraiment pas pourquoi son père voulait lui imposer ça. Finalement, elle a refusé et son père n'a pas insisté. Malgré tout, ça lui est resté dans un coin de la tête. Un jour, Yasser trouve une lettre rédigée par Amina et destinée à Joseph. Il va directement confronter sa fille énervée. Amina, qui a très peur, lui dit que « Écoute, genre, ne t'énerve pas, c'est une lettre que j'ai écrite pour un petit ami imaginaire. » Elle invente quelque chose comme ça. Son père, bien sûr, ne la croit absolument pas. Il est convaincu qu'elle a un petit ami et il est bien décidé à trouver ce garçon. Et quand il trouvera ce garçon, il le tuera. Sarah avait aussi un petit ami appelé Eric, mais Sarah n'avait pas autant de problèmes qu'Amina avec son père. Amina, c'est vrai, s'imposait un peu plus, elle avait peut-être un peu plus de caractère, mais je pense surtout que le problème était que Yasser était attiré de manière malsaine par sa fille. Et je le dis avec beaucoup de dégoût. Il voulait vraiment posséder ses filles, il ne voulait absolument pas qu'elles appartiennent à d'autres hommes en fait. Dès qu'il a découvert cette lettre et donc l'existence de cette possible relation, Yasser a décidé, très radicalement, de déménager avec toute sa famille à Lewisville au Texas, à quelques kilomètres du lieu où il vivait jusque-là. Et à partir de ce moment-là, Joseph n'a plus du tout eu de contact avec Amina. Elle avait disparu du jour au lendemain. Ils sont donc restés quelques temps à Lewisville au Texas et puis ils sont partis en Égypte. Là, ils ont vécu pendant quelques semaines. Amina détestait l'Égypte parce qu'elle n'était pas née là, mais surtout parce qu'elle ne se sentait pas à sa place. Et donc un jour, elle est allée dans un cybercafé pour essayer de contacter Joseph. Elle a essayé de le contacter via sa mère et là a commencé une conversation continue par mail entre Amina et Ruth. Et Ruth était vraiment son soutien. Mais elle ne voulait pas informer son fils Joseph de la situation. Elle voulait lui éviter en fait un ascenseur émotionnel. Rien n'était sûr, peut-être qu'Amina allait rester en Égypte. Voilà, il valait peut-être mieux pour le moment qu'il ne sache rien. Amina avait des pensées suicidaires, elle avait peur de rester en Égypte, elle avait peur d'être mariée à un homme là-bas et de ne pas pouvoir retourner aux États-Unis. Heureusement, quelques semaines après, la famille est repartie aux États-Unis. Mais Amina savait qu'à tout moment, son père pourrait commettre l'irréparable. Alors un jour, pendant leur période de captivité, il avait frappé Amina au visage avec ses bottes, mais si violemment que sa bouche saignait. À ce moment-là, Amina portait des bagues, et donc du coup, ces bagues ont déchiré l'intérieur de ses joues. Patricia, voyant cette violence, a décidé qu'il fallait arrêter tout ça. Patricia Owens, la mère des filles, a été extrêmement irresponsable dans cette affaire, je dois le dire. Elle a participé à plusieurs reportages après la mort de ses filles où elle niait tout en bloc, où elle disait que Yasser n'était pas abusif, où elle disait qu'il n'avait absolument pas frappé les filles, qu'il ne frappait qu'elle. Et finalement, dans un sens, elle était complice de son mari et elle a conduit ses filles à la mort. Le 26 décembre 2007, Amina, son amie Eddie, ainsi que Sarah et son petit ami Eric, mais aussi leur mère Patricia, ont décidé de s'enfuir. Ils ont décidé de partir. Patricia a eu un moment de clairvoyance où elle a réalisé que si
elle restait dans cette maison, ses filles mourraient, mais aussi elle peut-être. Le petit groupe s'est d'abord rendu chez la tante de Patricia, où ils sont restés quelques temps, vraiment pas très très longtemps. Très vite, Patricia a prétexté qu'elle voulait partir, qu'elle préférait trouver son propre appartement. Le 28 décembre, Patricia a trouvé un appartement à louer. Elle a loué cet appartement sous un faux nom, elle ne voulait absolument pas que son mari la retrouve. D'ailleurs, les filles s'étaient déjà débarrassées de leur ancien téléphone, histoire de ne pas se faire traquer. Elles avaient donc de nouveaux téléphones, et à partir de ce moment-là, Amina a pu contacter Joseph et lui expliquer toute la situation. Entre-temps, Connie, la sœur de Patricia, est contactée par son neveu Islam. Il lui dit « Écoute, est-ce que tu sais où est maman? Est-ce que tu sais où sont les filles? Vraiment, on veut que la situation s'arrange. S'il te plaît, demande-leur de revenir. » Connie contacte immédiatement sa sœur et lui dit de ne pas revenir. Elle lui demande, elle la supplie de ne pas revenir et de ne pas écouter les paroles de Yasser, parce qu'il recommencera, il l'a toujours fait, et que là, ce sera certainement fatal. Entre-temps, Patricia a une conversation téléphonique avec son mari. C'est forcément elle qui l'a appelé puisqu'il n'avait pas son nouveau numéro de téléphone. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit entre eux, mais en tout cas, Yasser a réussi à convaincre Patricia de revenir à la maison. Le 31 décembre, Patricia réveille les filles et elle leur dit « Écoutez les filles, levez-vous, là c'est le 31 décembre, tous les 31 décembre, je vais fleurir la tombe de ma mère, donc allons-y. » Les filles trouvent ça un petit peu bizarre, mais bon, elles montent dans la voiture. C'est seulement quand elles sont dans la voiture que leur mère va leur informer du fait que finalement, non, ils ne vont pas fleurir la tombe de la mère de Patricia, mais qu'ils rentrent à la maison. Amina est dévastée. Sarah aussi, mais Sarah accepte de rentrer à la maison. Amina, elle sait que si elle rentre, elle mourra. Donc en arrivant dans leur ville natale, Amina va directement chez son amie Eddie. Et Sarah, elle, rentre avec sa mère. Patricia négocie avec sa fille pour qu'elle rentre à la maison. Et de son côté, Amina, elle, converse avec Joseph, avec sa mère, en leur expliquant qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, sinon elle mourra. La menace pour elle est extrêmement sérieuse à ce moment-là. Malgré tout, Patricia se rend chez Eddie, l'amie d'Amina, où elle se trouve, et parvient à convaincre Amina de rentrer. Le soir même, Yasser est totalement mielleux. Il est gentil comme tout. Il dit aux filles, les filles, ce soir, je vous paie un dîner. Montez dans mon taxi, on va discuter, on va régler tous ces problèmes. Patricia demande à venir, mais Yasser lui dit, écoute, non, j'ai envie de parler avec les filles, seule à seule, on va régler nos problèmes. Les filles montent dans le taxi de leur père. Elles sont quand même un petit peu étonnées de la situation. Peut-être que leur père a changé. Peut-être que la situation va s'arranger. Finalement, Yasser se gare sur le parking d'un hôtel. Et là, il tire sur ses deux filles. Amina meurt instantanément et Sarah, elle, aura le temps d'appeler le 911. Un appel qui est déchirant, un appel qui est aussi un petit peu révoltant parce qu'on a l'impression que l'opérateur du 911 est débutant, qu'il est incompétent et qu'il ne sait pas trop quoi faire. Peut-être que, dans le cas contraire, Sarah aurait pu être sauvée. Ce que les filles ont vécu s'appelle un crime d'honneur. Un crime d'honneur est le meurtre d'une femme ou d'une fille par des membres masculins de sa famille. Les tueurs justifient leur acte par le fait que la victime aurait déshonoré le nom de la famille ou son prestige. Dans certaines sociétés patriarcales, les femmes sont étroitement surveillées. Le maintien de la virginité et de la pureté sexuelle d'une femme est considéré comme la responsabilité des membres masculins de la famille. D'abord du père, ensuite du frère, puis du mari. Les victimes de crimes d'honneur sont généralement accusées d'avoir commis des actes sexuellement immoraux, allant de la conversation avec un homme auquel elles ne sont pas apparentées à des relations sexuelles en dehors du mariage. Et ceci même si elles sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Toutefois, une femme peut être ciblée pour diverses raisons, notamment pour avoir refusé de contracter un mariage arrangé ou pour avoir demandé le divorce, même si le mari était violent. Le simple fait de soupçonner qu'une femme ait agi d'une manière qui pourrait nuire au nom de sa famille peut déclencher une attaque. Yasser va fuir. On suppose qu'il part pendant quelque temps en Égypte. En tout cas, la police perd sa trace. Mais il est recherché dans tous les États-Unis. Il est fugitif à ce moment-là. Finalement, l'affaire prend fin en août 2017, quand un employé de maintenance qui travaille dans l'un des complexes d'appartements appartenant à Islam Saïd va voir la police, va leur dire « Bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai aperçu Yasser Saïd dans le complexe d'appartements d'Islam. » Et donc ce complexe d'appartements va être sous étroite surveillance de la police jusqu'à août 2020, quand Islam et son oncle Yassine, le frère de Yasser, vont être interpellés par les forces de l'ordre. Et le 26 août 2020, c'est au tour de Yasser d'être interpellé par les forces de l'ordre dans la ville de Justin, au Texas. Et il ne se bat même pas, en fait.
il est presque défaitiste, il accepte. Islam Saïd a plaidé coupable pour avoir hébergé un fugitif et il risque jusqu'à 30 ans de prison. Yasser Abdel Saïd a lui été inculpé pour accusation de meurtre passible de la peine de mort. Et donc, il va sûrement écoper de la peine de mort et je pense, et vous le pensez aussi, je le crois, que c'est tout ce qu'il mérite. On voit là que Islam avait vraiment subi un lavage de cerveau. Il ne jurait que par son père, en fait. Son père était son dieu. Il faut savoir que lors des funérailles des filles, Joseph, le petit ami d'Amina, était présent. Et Islam l'a pris à partie de manière violente en lui disant qu'il était responsable de cette situation alors que c'était son propre père qui avait tué ses sœurs. C'est assez dingue. Une histoire très 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 triste, donc je comprendrais que vous n'ayez pas envie de mettre des petits likes, mais ça récompenserait vraiment mon travail. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire en commentaire, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Est-ce que vous connaissez toutes ces histoires de crimes d'honneur? N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, après cette vidéo bien éprouvante, prenez bien soin de vous. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo.